Aoula oula, aoula oula, aoula oula. Alors, nous voici encore à ce haut lieu de Saint-Lazare. Nous voici. J'aimerais dire, et j'aimerais commencer par dire merci à toutes les mamans, toutes les femmes qui sont présentes. Je voudrais vous dire, comme d'habitude, que vous, femmes, à travers vous, toutes les femmes du monde entier, j'ai envie de vous adresser un message. J'ai envie de vous dire, écoutez les mamans, les femmes, les filles, à chaque fois, un peuple est opprimé, à chaque fois, un continent est opprimé comme la nôtre, et que vous, les femmes, vous sortez, nous arriverons toujours à notre but. Alors, j'ai envie de vous dire, femmes, sortez! Merci à ceux qui sortent. Merci à toutes ces femmes, à travers vous, à toutes les femmes du monde entier. Merci. Et ce merci, ça me vient du fond du cœur. Je vous salue, je vous fais une salutation fraternelle, comme disait Césaire. Alors, mon intervention aujourd'hui va être brève. Je voulais répondre à ce journaliste ou à ces intervenants d'Africa Média, parce qu'il faut en parler. Hier, yeah, Africa Média, quand nous parlons dans les rues, quand nous créons dans les rues de Paris, ils nous ont dit merci. Hier, yeah, quand nous marchons pour le panafricanisme, Africa Média nous a dit merci. Hier, yeah, avec Alice Bereya, quand nous marchons dans les rues de Paris, et nous a, Africa Média nous a dit merci avec Alice Bereya. Mais aujourd'hui, quand on marche pour les 30 millions de peuples camerounais, on nous traite de petits clochards. Oui, nous acceptons, parce qu'être clochard, soi, ce n'est pas mauvais, parce qu'on n'a pas choisi d'être clochard. Voyez-vous? Mais nous acceptons ce titre que vous nous donnez. Le titre de clochard que vous nous donnez à Paris, nous acceptons. Africa Média, n'oubliez pas. Oh, que la mémoire est très courte. Dans le froid ici à Paris, on était là. On a crié « Vive Africa Média !» Dans Paris, on n'était pas à Yaoundé, on n'était pas à Abidjan, on n'était pas à Kinshasa, mais on était à Paris. Dans ce pays de blancs, ce pays français, on était là ici, on manifestait. Et vous nous avez dit merci. Aujourd'hui, parce qu'on manifeste pour les pauvres. Voyez-vous? Parce que les gens n'aiment pas les pauvres. Hein? Les gens, ils n'aiment pas les pauvres, en fait. Quand vous manifestez pour les pauvres, ça dérange certains. Ceux-là qui sont assis dans des bureaux un peu feutrés, ils sont en train de dire, ah ouais, ça c'est son, on les appelle quoi, la diaspora. Non, c'est une autre diaspora. Non. Alors, j'ai envie de vous dire, mes chers compatriotes, mes chers gens d'Africa Média, ces gens qui sont autour de M. Piya, qui nous traitent de ce qu'ils veulent, la lutte, c'est la lutte de peuple. Cette diaspora dont vous parlez n'existe pas. Voici la diaspora ici. Voici la diaspora ici. La diaspora avec les mamans qui sortent, avec les enfants. Ce maman qui sort chaque samedi. Ce maman qui sort qui vient nous dire, monsieur, ça suffit 36 ans. On en a marre. J'en ai pas 36 ans, moi, voyez-vous. Comme la majorité de personnes, comme la majorité des Camerounais. On n'en a pas 36 ans. Mais au moment donné de la vie, il faut dire stop. Il faut dire stop. Les mamans ne vont pas accepter mettre leur enfant au monde pour qu'ils viennent supporter des choses qui n'ont même pas de sens dans ce Cameroun. Hein? Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais vous dire, femme, voyez-vous, quand je parle de la femme, je suis tellement ému. C'est tellement émotionnel à moi quand je parle de la femme, parce que la femme, c'est celle-là qui reçoit des choses et qui donne le meilleur. Et vous avez donné le meilleur. Il faut que vous le sachiez, vous, femmes. Mon combat, c'est pour les femmes. Et je veux que les femmes vous prennent le pouvoir. Parce que nous, hommes africains, on a montré nos limites. Depuis 60, on a montré, depuis les années 60, on a montré nos limites. Et il est temps que vous preniez les choses comme aujourd'hui. Il est temps que vous vous mettez au devant. Il est temps que vous dites à ce pauvre homme, désolé les hommes, je vous aime bien, mais bon. Il est temps que vous leur dites, allez, stop, vous arrêtez, on va vous faire votre travail. On va vous faire, on va le faire très bien. Alors, les mamans qui sont là, les femmes, les enfants, vous savez, on a beaucoup de respect pour vous. Sortez, sortez. Et dites à vos maris, dites à vos compagnons de sortir. Parce que c'est vous, les femmes. Si vous dites à votre mari, allez, sors, il va sortir. Si vous ne dites rien, il va rester là, il va dire, ah ouais, vous savez, c'est trop dur, on ne peut rien faire. Alors, ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas y arriver, s'il vous plaît, laissez-nous essayer. Quand même, disait l'autre. Nous, on essaye. C'est pas facile parce que parmi nous, il y a des femmes qui marche depuis 30 ans. Elle n'est pas là aujourd'hui, la dame, la combattante. Ça fait 30 ans qu'elle marche, cette dame. Ça fait 30 ans qu'elle marche, elle
son drapeau dans les rues de Paris. Vous voyez, peut-être je n'étais pas encore né, qui sait. Mais cette dame, elle marche depuis 30 ans. Elle n'a pas arrêté, cette dame, de marcher. Comme toutes ces femmes qui sont ici, là. Il y a une femme, il y a des femmes ici qui sont là. Elles sont là tout le temps, comme la maman, elle est là tout le temps. Elle est là tout le temps, là. Vous voyez, elles sont là tout le temps, là, les femmes. Vous venez, alors moi, votre fils, j'ai envie de vous dire, sortez de la maison. C'est fini la peur. Vous ne pouvez pas avoir peur puisque vous nous donnez la vie. Comment pouvez-vous avoir peur alors que vous nous donnez la vie? C'est pas possible. Monsieur Pillet, c'est une femme qui l'a mis au monde. Alors, femme de santé, femme du Cameroun, santé. Et tu stoppes à cela. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oula, oula. Oula, oula. Oula, oula. Que Dieu bénisse le Cameroun. Et que la Dieu, les dieux de la forêt et côtoraine nous bénissent. Voilà. Merci camarade.